Bonjour et bienvenue dans Un miracle chaque jour. Le miracle du jour vous est apporté par Bruno Picard. Bonne écoute. Bonjour mon ami. Le miracle du jour a pour titre « Dieu prend le temps nécessaire ». Après 20 ans de vie chrétienne, je suis parfois très encouragé par le changement que Dieu a déjà opéré dans mon cœur et dans ma vie. Mais le plus souvent, je considère qu'il lui reste encore du travail à accomplir en moi. Et mon ami, Dieu doit d'abord accomplir quelque chose en nous avant d'œuvrer à travers nous. Et il prend toujours le temps qu'il lui faut. Vous pouvez continuer à lire les Écritures saintes pour vous imprégner de ses pensées. Plus vous commencez à penser comme il pense, et plus vous serez en mesure d'agir comme il agit. J'aime comment Dieu était à l'œuvre dans cette prière. Le psaume 119. David dit « Que ton amour, Dieu, façonne ma vie, tout comme tu l'as promis. Je serai capable de résister à la moquerie parce que j'ai confiance en ta parole. Ne me prive jamais de dire la vérité, jamais. Je m'appuie sur tes commandements. Je garderai de ma vie ce que tu m'as révélé, maintenant et pour toujours. J'avancerai à grands pas, librement, à travers des grands espaces, en cherchant ta vérité et ta sagesse. Ensuite, je dirai au monde ce que je trouve. Je parlerai avec assurance en public, sans gêne. Je chéris tes commandements, oh comme je les aime. Je savoure chaque fragment de ton conseil. » Aujourd'hui, mon ami, voici une prière simple et puissante. Seigneur, prends le temps nécessaire pour me transformer en profondeur. Je veux que ma vie te rende gloire. Je te reconnais dans tout ce que tu fais, car tu guides mes pas. Aide-moi à aider les autres. Je veux être un mentor pour les autres. Amen. Je t'aime, Jésus. Merci d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Un miracle chaque jour et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Merci d'exister.